Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un projet artistique que je ne vais certainement pas entreprendre moi-même parce que j'ai la flemme. Donc, je lance plutôt une sorte d'inspiration pour quelqu'un d'énergétiquement plus performant que moi. Ce projet artistique, en fait, je dis artistique parce que je parlais de cette idée que j'ai eue il y a quelques mois à quelqu'un juste dans cet hostel hier. Au début, c'était plus la blague, et puis il disait, mais ça pourrait être un projet artistique, ce qui justifierait d'une certaine manière la dynamique. Ça serait pas un objectif simplement un peu bête, un peu juste pour la blague, quoi. Non, il a poussé le truc plus loin en disant, mais si t'inscris ce projet dans une notion artistique, alors ça peut, entre guillemets, justifier cette initiative. Ce projet, comme tu as dû le voir dans le titre, c'est d'avoir des continents. À la base, l'idée c'était d'avoir des enfants sur tous les continents. Alors il y en a certains que tu peux peut-être un peu enlever, par exemple Amérique du Nord et Europe, il y a peut-être une redondance sur les gènes. Pareil en Australie, je sais pas ce qu'il en est des aborigènes. Mais voilà, il restait en gros Europe, Asie, Afrique, Amérique du Sud. Alors quel est l'intérêt déjà de ce projet? L'idée derrière tout ça, hein, c'était pas simplement. Enfin, c'était même pas ça du tout à la base, c'était pas le côté orgueilleux, le côté je suis fier d'avoir mis ma graine un peu partout à droite à gauche. Mais c'était plutôt de se dire, face au changement climatique à venir, face à toutes les crises potentielles qui peuvent se passer, le meilleur moyen d'assurer la survie de la lignée, ça serait de mixer ces gènes avec, si tu veux, tous les grands archétypes génétiques que tu peux trouver sur la Terre. Alors, il fallait rester assez cohérent, donc je me suis dit, on va fixer peut-être à 10 le nombre d'enfants que tu peux avoir. Donc ça veut dire quand même trouver 10 femmes d'accord pour avoir au moins un enfant. Donc c'est pour ça que moi, énergétiquement, je me sens pas de le faire, j'ai vraiment la flemme de me lancer dans ce type de projet. Puis j'aime bien aussi l'idée de peut-être pas d'une vie stable, mais disons que j'ai des projets autres, créatifs, artistiques, qui je pense nécessitent plus de stabilité que, comment dire, que cette course, en fait. C'est un peu cette course effrénée à. Ça peut s'apparenter à une course, tu vois. Il faut aller vite, parce que t'as pas. Déjà, t'as pas toute la vie pour le faire. T'as quoi? T'as une marge de 30, 40 ans si t'es endurant, je pense. Voilà. Donc 40 ans, ça voudrait dire un enfant tous les 4 ans. Mais si on reste à 30, ça veut dire un enfant tous les 3 ans. Et bon, moi j'ai la flemme, je te l'ai dit. J'ai la flemme aussi un petit peu surtout de négocier. Et puis après, faut surtout les entretenir, ces enfants. Parce que le but, hein, c'est pas de faire des enfants et puis de les laisser partir. C'est de les garder. C'est de les garder, de leur inculquer. la culture de la lignée, ce genre de choses, tu vois, parce que l'idée c'est de perpétuer un peu non seulement la génétique mais aussi la culture, etc. Et en plus de ça, comme ils sont un peu mixés de partout et que tu les élèves à peu près au même endroit, ils partent avec un avantage immense, c'est qu'ils ont déjà voyagé sans avoir voyagé. Ils ont déjà plein de patterns dans la tête parce qu'ils vont échanger avec l'un qui vient d'un continent et l'autre qui vient d'un autre continent, et tous ils vont discuter. Alors ça veut dire qu'il faut qu'ils aient des contacts aussi avec leur culture, pas leur seconde culture, mais l'autre côté de leur génétique et de leur culture. Donc ça veut dire que de temps en temps il faut qu'ils voient leur maman. Je te dis ça pour que tu prépares ce projet, hein. C'est des petits indices pour que tu réussisses mieux les choses auxquelles on a pensé. Donc voilà, il faut investir pas mal de, je pense, d'énergie dans ce projet. Déjà donc pour aller trouver les femmes, pour entretenir les enfants et pour les envoyer de temps en temps voir leur culture d'origine y vivre à un certain moment. Voilà, donc les 10 grands archétypes, je les ai pas tous trouvés parce que je connais pas vraiment certains continents comme l'Amérique du Sud, mais c'est surtout l'Afrique qui me pose question parce que j'ai du mal à voir les grands archétypes culturels et génétiques. Je me suis pas encore intéressé à la question, c'est pour ça que je pense que l'un des voyages que je vais faire peut-être dans les prochaines années, ça sera en Afrique. Mais pas pour cette raison, bien sûr. C'est peut-être que ça nourrira cette raison et que je t'aiderai, toi qui auras lancé ce projet, et toi qui seras entré dans cette dynamique artistique. Voilà, donc
Alors, je commence par l'Asie parce que c'est intéressant. Je pense qu'il faut, il faut éviter les extrêmes, en fait. Donc, la partie japonaise, par exemple, je sais que c'est un fantasme un peu occidental. Je dis Japon, Corée, Chine, etc. Je ne vais surtout pas les mettre dans le même panier, mais il y a un problème, je crois, de... c'est, en fait, ils sont, c'est trop particulier, si tu veux, il me semble. C'est que... alors peut-être que c'est le but, hein, peut-être qu'il faut mixer dans ce sens-là, mais j'ai trouvé un bon compromis là ces dernières semaines, c'est les Kazakhs. En fait, les Kazakhs, ils sont vraiment un bon carrefour on va dire des cultures. Ils ont été successivement un petit peu pas envahis, mais ils sont le résultat de plein de vagues d'invasion, d'immigration, etc. Alors je pense que tu peux prendre la partie de la Mongolie jusqu'au Kazakhstan, où tu as à la fois une partie vraiment asiatique, et en même temps une génétique bien mixée avec un petit peu plus le sud. C'est pour ça que j'espère que je suis pas offensant dans ce que je dis, hein. Tout ça c'est des idées, voilà, à réfléchir. Donc voilà, je pense que les Kazakhs c'est pas mal. Il faut aussi viser l'Inde, parce que c'est un sous-continent vraiment à part entière avec... des traits très, très différents, même culturels. Et puis, je pense il faut aussi viser la partie entre l'Iran et Israël, où pareil, t'as quelque chose de particulier, il me semble. Mais là, j'ai rencontré des Iraniens assez, des Iraniennes assez attrayantes. Donc, je me dis pourquoi pas, à toi, pourquoi pas aller là-bas et voir si tu peux trouver quelqu'un, pardon, avec qui, voilà, mixer tes génétiques. Après, Amérique du Sud, je pense, pareil, j'y connais rien, mais je pense que tu peux choisir quelqu'un qui vient de la partie montagneuse de toute la cordillère des Andes, pour, parce que les montagnards, même si tu vas dans le Piémont, dans les Alpes, tu vois que c'est pas du tout les habitants des Landes, c'est pas les habitants du centre, c'est pas les habitants du sud de l'Italie. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver peut-être Pérou, Chili, et puis peut-être aussi la partie à l'inverse, Amérique centrale, peut-être Mexique, peut-être toute la côte atlantique, Cuba, etc. Et il me semble que c'est quand même assez différent de ce que tu peux trouver en Amérique, enfin le côté montagneux, le côté pacifique. Alors en Afrique, malheureusement, j'ai pas assez de recul. Je dirais, bien sûr, il y a le côté tout méditerranéen qui peut être très intéressant, très attrayant. Mais du coup, est-ce que ça n'est pas inclus dans l'Europe? Est-ce que ça fait pas... Bon, je sais pas trop. Voilà, je pense que l'archétype méditerranéen est intéressant. Il y a aussi l'archétype slave. Encore une fois, faut pas aller dans les extrêmes. Faut pas aller dans le très blond, très pâle, aux yeux bleus. Je suis pas du tout slave, hein. Il me semble pas, en tout cas. Mais voilà, peut-être éviter cet archétype extrême. Et quelle autre génétique j'avais pensé? Voilà, après en Afrique ça a des idées, ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a un peu, si tu veux, toute la partie de l'Europe jusqu'à on va dire le bord Inde, c'est considéré comme le type caucasien. Mais il me semble qu'en Afrique il y a deux ou trois archétypes génétiques, donc voilà, à investiguer. Et si tu as des idées, n'hésite pas, hein, ça peut nourrir la personne que ce projet artistique va inspirer. Alors pourquoi c'est artistique? Parce que je pense que tu peux pas faire ça de manière éthique si tu mets pas un message derrière, une idée. Et l'idée, c'est la survie, c'est à la fois la survie, à la fois l'adaptabilité, et à la fois comme un lien entre les mondes. C'est-à-dire que toi qui pourrais avoir un peu... Mais peut-être que ça peut être aussi pour une femme, ça serait peut-être plus facile. Parce que je pense que c'est plus facile de convaincre un homme de mettre sa graine et ensuite de porter soi-même l'enfant que de convaincre une femme pendant 9 mois de porter ton enfant pour potentiellement l'abandonner après. Voilà. J'essaie de cerner un petit peu les limites de cette idée et les aspects sur lesquels travailler. Voilà. Donc à part le côté financier, ça va te coûter, je pense, pas mal d'argent, déjà de voyager et puis d'élever les enfants, de les envoyer à droite à gauche. L'autre problème, ça va être les mentalités. Les mentalités un peu conservatives qui risquent d'être effrayées par ce genre de projet. Mais c'est pour ça que tu peux dire... Il y a un chat qui miaule.
Et je comprends, parce que même la personne avec qui j'en ai parlé, on a parlé 2 heures de ça, et c'est lui qui me donnait les idées, mais à la fin, il disait, mais moi, jamais je pourrais faire ce projet, parce que je suis trop conservateur, j'arrive pas à imaginer ce genre de choses, ça fait comme un harem, mais c'est pas un harem, c'est-à-dire que tu ne privatises pas les femmes. Genre, au pire, si les femmes avec lesquelles tu vas mélanger tes génétiques de façon très différente ne peuvent pas un petit peu compenser ton besoin de sécurité, de monogamie, pas de monogamie du coup, mais de si tu peux pas avoir, si tu peux pas supporter l'idée que l'une des femmes avec lesquelles tu vas te reproduire connaisse d'autres hommes, alors le mieux c'est encore de juste garder l'enfant et de l'envoyer de temps en temps avec voir sa mère, mais juste de pas trop s'attacher à la mère, parce que il faut une, si tu fais ton premier enfant, il faut encore que tu bosses 9 fois, tu vois, donc ça risque un peu de coûter. Je pense que c'est tout à fait compatible avec un mode de vie un peu permacole, puisque à la fois quand tu vas envoyer tes enfants, tu vas leur demander de t'envoyer des graines, des arbres, des boutures, etc., des endroits d'où ils viennent. Donc en plus de ça, tu vas créer un terrain qui sera hyper résilient au changement climatique. Et en plus de ça, toi, tu vas apprendre plein de langues, et les enfants qui vont vivre dans ce creuset vraiment très riche, eux aussi vont apprendre plein de langues, plein de patterns, etc. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça va les rendre vraiment très performants pour le futur. Tu n'auras pas à t'inquiéter pour leur travail, parce que je pense qu'à partir du moment où tu parles plein de langues, tu as plein de schémas en tête, et ça t'ouvre vraiment plein de portes, les langues. Donc voilà. Alors l'autre problème aussi qui était levé, c'était que l'enfant, il risque d'avoir des problèmes à l'école. Mais ça, je pense que c'est commun à tous les enfants qui ont des situations originales. Moi, j'ai une situation moyennement originale, mais déjà, c'est vrai qu'à l'école, primaire j'entends, hein, etc., t'as un décalage. Mais en fait, si tu veux, l'originalité, c'est un investissement à long terme. C'est-à-dire que, ok, peut-être que les enfants de l'école vont se moquer de tes enfants qui seront... parce qu'ils ont, un papa qui est X maman, parce que peut-être qu'il y a des mamans qui aimeront le projet et voudront l'entretenir. Donc ça, ils peuvent un peu subir la moquerie d'autres enfants. Mais globalement, je pense dès qu'ils vont arriver au lycée et à la fac, là où tu remarques que plus t'es riche d'idées, plus t'es riche d'expérience, plus t'es original, et plus, entre guillemets, tu vas rencontrer des gens, plus tu vas avoir des choses à raconter, plus tu vas être intéressant, et plus les gens vont venir vers toi. Donc, honnêtement, je pense que le petit traumatisme de l'école primaire, etc., est largement compensé par le reste de la vie, parce que, justement, tu vas mettre tous ces schémas dans leur tête, et ça peut être très très enrichissant. Voilà. Donc, ce projet artistique, je te le propose. Moi, actuellement, ça me fait rire. J'avoue qu'il y a une partie de moi qui se dit, ah, ça pourrait être drôle, mais j'arrive pas à voir, voilà, il y a un petit côté éthique dans la chose qui me dérange, parce que j'arrive pas à me voir, par exemple, dire on se plaît tous les deux, mais il faut que tu saches que j'ai un projet, là j'en suis à mon 3e enfant, donc il faut encore, si je te compte toi, il faut encore que je trouve 6 autres femmes, et c'est pas quelque chose, je crois que j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie de conviction. Et même, je trouve que c'est drôle, mais je sais pas, il y a quelque chose qui oppose une résistance un peu à l'intérieur de moi. Mais c'est parce que je pense que je suis relativement, pas conservateur, mais j'ai des idées des fois un peu conservatrices, je pense, sur le couple. En tout cas maintenant, peut-être que ça va changer dans les prochains mois, dans les prochaines années, qui sait. Mais voilà, je suis pas prêt. Ah oui, et si, par rapport au côté financier, c'est pas vraiment un problème en soi, puisque à partir du moment où tu vas commencer à être crédible dans ton projet, dans ce projet, à partir du moment où tu vas avoir 4-5 enfants qui viennent d'archétypes génétiques différents, alors je pense que tu peux commencer un peu à monnayer, à faire du branding, non, du... je sais plus comment on appelle ça. Bref, tu vas commencer à raconter ton histoire, tu peux même faire des films, tu peux même expliquer un peu la culture des différentes femmes avec lesquelles tu as mélangé tes génétiques, et tu peux le vendre, et ça peut te rapporter de l'argent, et dans ce cas-là, bah, tu n'auras plus de soucis à te faire pour entretenir tes enfants. Voilà, ça c'était le côté compensatoire, parce que c'est vrai qu'initialement, tu peux te dire ça va coûter de l'argent, mais ça peut aussi t'en rapporter. Hein. Si tu sais pas quoi faire de ta vie, que tu as beaucoup d'énergie à revendre, que t'as pas, je sais pas, que t'as pas de perspective dans le monde du travail ou dans la permaculture ou peu importe, dans les trucs qui te permettront de plus travailler par la suite, alors peut-être que ce projet est pour toi. Mais dis bien que c'est de l'art, parce que je pense que beaucoup de personnes pourraient être heurtées si tu dis simplement que c'est pour flatter ton orgueil, ou parce que t'as trop d'énergie. On pourrait dire c'est parce que tu manges trop, ou c'est parce que si, ou c'est parce que ça. Donc voilà, dis que c'est de l'art et tout se passera bien. Voilà, sur ces belles idées, je te souhaite vraiment une belle journée, salut !